Hi John. Bonjour, docteur Saïd, ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci, un peu fatigué. Un peu fatigué. Oui. Une longue journée à la fac. Oui, docteur, je suis. Je ne sais pas comment se dit. Je me suis levé. Hein? Je me suis levé. Oui, je me suis levé, oui. Je me suis levé à 6 heures et j'ai dormi seulement 3 heures, alors je suis très, très fatigué. Ah oui, bien sûr. C'est compréhensible. Parce que demain c'est samedi, c'est férié, c'est repos. Docteur, non, non, samedi, j'ai université aussi. Ah, d'accord. J'ai classe aussi. Et Ah, ok. les dimanches, j'ai un examen d'infectologie. Alors, ce sont temps très difficiles. Bon, ça va passer tout ça. J'espère, j'espère, j'espère. Oui, ça passe. Ça passe. J'essayais à. Mélange Oui. tu mes classes parce que je suis dans non parce que j'ai classe aussi de français, je suis dans mon niveau B1 de français Ah. et oui de l'université, j'ai université, j'ai Oui. mes classes de français, Ah, j'ai mon société et j'ai les travails avec Dr. Ben. Alors, c'est un agenda très, très compliqué. Ouais. ouais, mais c'est bien, c'est maintenant qu'il faut tout faire comme ça, oui. Plus on en fait, mieux c'est. Parce qu'on a la santé, comme tu dis, donc j'ai dormi 3 heures, etc. C'est l'âge où on peut ne pas dormir 48 heures, des choses comme ça. Oui, Parce qu'après, ça devient difficile. c'est ça. Donc, on est jeune, on a la possibilité de le faire. Et voilà, il faut profiter de tout, de la vie, pour pas penser au futur aussi. Faire en sorte que ta formation soit bien orientée par rapport à ce que tu veux faire. Ça, c'est très important. Et il faut tenir le cap. Donc, tes envies de devenir un grand neurochirurgien, etc. Voilà, ça sera voilà, ton phare, on va dire, qui va te guider. Faut pas partir à droite, à gauche, tu suis le cap droit devant. Ah oui. Mais c'est un peu difficile, mais c'est bon. Je sais pas les manières qui je trouve les forces, que je trouve l'énergie. Pour ça, je pense que c'est parce que j'aime ça. J'aime la neurochirurgie. Alors, c'est bon pour moi être comme 10 heures. Et regarder webinaire de neurochirurgie, webinaire de neuroanatomie, j'aime bien ça. Alors, je pense que c'est pour ça. Et je suis dans mon 4e année de l'université et je pense que peut-être au futur, quand j'ai fini l'université, je peux aller à faire mon examen de doctorat à l'étranger, ouais, pour aller à la France pour faire neurochirurgie. Ouais, bien sûr, tout est possible, hein? J'espère ça. Je crois en miracles, milagros, Un miracles. miracle. Non, mais le miracle, c'est toi, le miracle. C'est entre tes mains. On va dire, donc tout est possible. Hein? Donc là, ça te permet, avec le webinaire, déjà de faire connaissance avec les personnes, etc. Voilà. Donc, puis, étape par étape, tu arriveras.
Non, merci beaucoup. Et comment est votre service à l'échelle de la île? J'ai pas compris le. Ah, comment va les choses avec votre service, avec le service Ah d'énergie oui. et les chutes? Oui, donc on est en phase un petit peu, donc on est en train de déménager de service. Donc c'est jamais agréable quand on déménage. Bon, c'est transitoire, mais bon. Il y a l'hôpital qui est on le refait à neuf. Donc forcément, on passe par une période un peu difficile par rapport au changement de service. On déménage régulièrement. Mais voilà, une fois que les travaux seront finis, je pense qu'on sera bien installé. Mais ceci dit, les blocs opératoires fonctionnent tout le temps. Donc, il n'y a rien de changé de ce côté-là. J'ai compris. Beaucoup d'interventions intéressantes, très variées, parce qu'on est le seul service de la région de l'océan Indien, c'est-à-dire qui est. En fait, on est au milieu entre les services qu'il y a, c'est l'Afrique du Sud. Et ben, après, c'est à l'ouest, c'est l'Australie. Et on est à 10 000 kilomètres de la France. Donc, on est obligé de faire le tout de la Wow. pédiatrie, du vasculaire, de la traumatologie, de fonctionnel. Voilà. Donc c'est et en plus on couvre un autre département qui est à côté de l'île de la Réunion qui est Mayotte. Donc ça nous fait comme Mayotte est tout près des Comores, on a beaucoup de personnes qui viennent des Comores aussi ou de l'Afrique en passant par les Comores. Donc, on a pas mal de pathologies variées, c'est-à-dire on a la chance d'avoir aussi quelques cas historiques qu'on ne voit plus en métropole, en France, etc., donc les autres services. Puis voilà, on est une équipe, voilà, on s'entend bien, c'est ce qui est essentiel, je pense, pour un service. Et on est bien équipé. Au niveau matériel, puis voilà. Et vous pouviez vous casser? J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il y a? Et si vous pouviez les cas cliniques rares, parfois une pathologie très rare qui. Ah oui, donc bien sûr, on a des raretés, oui. C'est comme j'ai dit, il y a des cas qu'on ne décrit plus. Sauf en Afrique ou bien dans d'autres régions, des pathologies un peu rares. Oui, il y a des exceptions. Donc bon, je pense que dans tous les services, ils ont des cas un peu rares, mais à La Réunion, on en a pas mal. Alors, c'est bon. Creo que. No, si ya estamos todos. Okay. Alors, c'est bon. Les choux. Eh, docteur, Oui. en question. Je ne Oui. comprends pas la différence d'un choux et d'un hôpital. En fait, CHU, c'est Centre Hospitalier Universitaire. Universitaire, oui. Oui, CHU. CHU. Centre Hospitalier Universitaire. Puis hôpital, c'est un hôpital normal, soit régional, soit d'une petite ville, etc. Mais le CHU, c'est universitaire, c'est là où il y a les professeurs, c'est là où il y a la recherche en général. Ah, parce que au Pérou, nous n'avons pas les hôpitaux universitaires. Nous avons on a les hôpitaux de l'État et les cliniques privées, mais seulement ça, nous n'avons pas Mais vous avez les des cliniques professeurs quand universitaires. même. De nous recharger. Et en neurochirurgie, nous n'avons pas professeurs. Ah, d'accord. Oui, seulement les chefs du service et les résidents. D'accord. Mais nous D'accord. n'avons pas le professeur. D'accord.
Après, comme tu parles espagnol, il faudra que tu fasses un saut à Buenos Aires. Docteur? Buenos Aires. À Buenos Aires? Oui, c'est un très grand service de neurochirurgie. Oui, Il y je a connais. aussi, Alvaro Campero. Il faut que tu Oui. ailles visiter Alvaro Campero. Ah, oui, C'est un très, très. je connais Ah. professeur Campero et professeur Baldoncini. Oui, voilà, il faut les visiter. Oui, Ça, il faut les j'ai visiter. la C'est règle. très, très important. Hi, John. Dr. Bennett, hey, you're Yeah, I say, Saeed, I'm How are sorry, I you? was not doing some last minute promotion. That's the most important time, just before you start, to put the live screen on Facebook and everything else. Let me quickly tell you what we're going to do. We're going to, after the webcast, we're going to open the lounge. Do you know what that is? Yes, I see the video about to launch. It has nothing, after the webcast, it's separate. And we just give the link to people at the end so they can get a chance to meet us and meet the speaker in a private setting. It's not publicized, it's not televised, it's not recorded. And the students seem to like it. Okay, I will tell it out to our participant in French. Well, you don't have to know. It might confuse them. They might get confused. So wait till we start and then send it, okay? Okay. It's a separate webcast after this is over. It's That's another very webcast. interesting. Yes, it's very It's interesting. another, it's com but people get confused if you give them two links. They'll go, which one do I use? How do I get? Just give, what you have to right now. Okay. Didier. Bonsoir, docteur Didier. Bonsoir, Docteur, you're Okay, now it's okay. Hi. Hi, do you hear Bonsoir, me? ça va? Ça va Bonsoir, bien. docteur. Bonsoir, Dr. Bonsoir. Bennett. Ben, ça fait plaisir de te voir. Ben de même, ça fait longtemps. Ah ben oui, ça fait longtemps, ça remonte à pas mal d'années là. Sinon, la famille va bien, tout le monde va Ah, bien. tout va bien. Ah ben super, les enfants. Before I go, could you explain? Thanks, doctor, for your time. We want to do something new, and maybe Uriel can explain to Dr. Didier. Could you explain, please, Okay. Uriel? D'accord. Didier, Oui. on a après ta présentation, on a un système, donc un nouveau système aujourd'hui qu'on va essayer. C'est Oui. le lounge, c'est-à-dire c'est privé et les gens donc, peuvent parler sans être enregistrés. Ça permet d'aider aux gens donc de parler sans appréhension derrière. Not much time. You could just 5, 10 minutes. It's Yes, not okay. meant to ex make you take your time up, but to meet the students and to make it more personal. It's like a kind of informal meeting. Okay. Yes. En fait, ce webinaire, en fait, on a un principe, c'est faire connaître les jeunes qui veulent aller dans un service ou qui ont qui veulent s'orienter vers telle ou telle spécialité. On essaie de les présenter aux présentateurs pour aller quand les frontières seront ouvertes, peut-être visiter le service, etc. Aucun souci. Super. Where are you from, Doc, in Paris? Non, Marseille. Non, Marseille. Marseille. Yes. South of France. Okay. Just like Saïd. I remember the movie, The French Connection. Okay, French good. Connection, Yeah, yes. yeah. Gene Hackman, I remember a great good movie. That was one of his Yeah. best movies, that Gene I don't take cocaine.
Yeah, yeah, I know. You found another love. Yeah. The neurosurgery. Yeah, yes. Another world. Yeah. OK. Donc, je fais une petite présentation avant de commencer, puis après, mm-hmm. tu attaques ta présentation. Okay. Et on part sur les questions après. Voilà, donc comment ça se passe. C'est amical. Oui, pas de se relâcher. How many time for? 2 minutes. 2 minutes, OK. Yeah, we broadcast Miami, University of Miami, and with Nasser from Cannes in Africa. He put on the conference. We televised them. And tonight we're televising from Ecuador. Ah, it's interesting. Yeah, Ecuador is becoming, I was saying to Uriel, they're very active on the internet and neurosurgery. Yes. Yes, they are very active. We have Japanese doctors today. Okay. Dr. Yoko Kato. Ah. Yeah, hopefully you get to meet them in the lounge. We really hope that, Doctor. Okay. Didier, the lounge is also meant for the speaker to maybe speak more, maybe answer questions. But you'll answer questions here first. Yeah, no problem. But a lot of times the students are shy. Shy, and they don't want to ask in front of a lot of people. I am shy too. Yeah. Yeah, you know what I mean. In a small group, it's different. All of the internet. Adrien. Oui, bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Bonjour, Adrien. Bonjour, professeur Scavarda. Bonjour. Bonjour, docteur Adrien. Okay, Adrien Carl, il était à Marseille. Je ne sais pas si tu l'as connu. Il était externe. En quelle année il est parti? Okay, Uriel, you ready? Everybody ready? You ready, Uriel? Maintenant, tu es où? You're muted, Uriel. Yes, doctor, I'm ready. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir à tous. Nous partageons avec vous notre édition de la chaîne d'éducation en neurochirurgie, neurosurgical.tv. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir présenter les plus célèbres séries de lectures francophones French Neurosurgical Grand Rounds. Je suis Uriel Tagliabue-Gratté, l'équipe des étudiants de neurosurgical.tv, et aussi président de la Société péruvienne des étudiants de neurochirurgie et neurosciences. Sans plus tarder, ravi de vous présenter un médecin incroyable et une personne fantastique, le responsable du webinaire de French Neurosurgical Grand Rounds, le docteur Saïd Daha. Docteur Daha, comment allez-vous? Merci, Ariel. Merci beaucoup à tous nos amis qui sont connectés sur Zoom ou sur YouTube. Bienvenue à tout le monde. Ce soir, on a le grand plaisir d'avoir avec nous notre ami, le professeur Didier Scavarda, qui est neurochirurgien pédiatrique au CHU de la Timone. Didier Scavarda a fait ses études de neurochirurgie à Reims et il a eu son DES en 1998. Il a été également chef de clinique à Reims au service du professeur Rousseau, mais également à Marseille au service du professeur Grisoli. Il a occupé un poste de PH à Reims, puis au service de neurochirurgie pédiatrique de 2003 à 2012 avec le docteur Léna. Il est chef de neurochirurgie pédiatrique depuis 2013. Il est également, il a plusieurs facettes en fait, il s'intéresse à beaucoup de choses. Il est responsable du programme de chirurgie de l'épilepsie de l'enfant et de l'adulte.
Il est également à l'origine de nouvelles techniques opératoires de déconnexion de l'épilepsie post-AVC. Il a l'expertise des dernières techniques de stéréotaxie moderne. Il est actuellement président de la Société française de neurochirurgie pédiatrique. Au niveau scientifique, ben, il a plus de 110 articles publiés, référencés dans PubMed, plus de 82 communications scientifiques nationales et internationales. Il a invité à plus de 50 de conférences. Il a participé à une douzaine de chapitres de livres. Bienvenue Didier, et à toi la parole. Et merci pour cette introduction bienveillante. Merci beaucoup. Et merci aussi de m'avoir invité pour présenter et parler d'un sujet qui est passionnant et passionné, puisque c'est un débat qui fait toujours beaucoup de combats dans la société pédiatrique de neurochirurgie, en particulier en France. À l'étranger, le débat est un peu moins ardu. Donc, je vais vous parler de notre expérience des lipomes du cône médulaire. Enfin, des lipomes en général, mais surtout du cône médulaire, sont ceux qui posent le plus de problèmes, puisque c'est une pathologie en fait qui n'est pas très vieille. La description initiale date de 1857, mais vraiment la pathologie du dysraphisme et de la moelle fixée n'a commencé à apparaître dans le langage scientifique qu'à partir de 1953, avec une première série publiée en 1971. Donc vous voyez qu'il y a quasiment 50 ans, ce qui n'est rien à l'échelle de la médecine. Alors, c'est une pathologie qui est récente de découverte, bien sûr, mais qui est très ancienne, et qui a de multiples classifications et dénominations. Alors, pour synthétiser un peu facilement, j'ai pris celle-ci de Chapman, qui date des années 82, qui décrit en fait les trois types principaux de lipomes qui sont problématiques. Il y a le lipome dorsal, que vous voyez à gauche, le transitionnel, qui est sur le cône médulaire, c'est celui qui est le plus difficile, et puis le caudal ou terminal, qui est le cousin éloigné du lipome du phylum. Il y a à peu près plus ou moins 1 pour 4 000 naissances, et légère incidence féminine, mais vraiment pas grand-chose, pas une vraie différence. Alors, ce sont des pathologies qui viennent de l'embryologie, et les classifications sont multiples. Je vous ai pris ce tableau qui a été publié il n'y a pas longtemps par Dominic Thompson de Londres, où il montre les trois temps principaux de la mise en place des organes et donc de l'embryogenèse. Et vous avez le premier temps qui est la gastrulation. La gastrulation, c'est vraiment important parce que c'est là où les trois feuillets primordiaux de l'embryon vont se mettre en place. Et lorsqu'on a une atteinte de la gastrulation, on peut avoir des split cord malformations, ce qu'on connaît bien, ou des kystes non-entériques. Ce sont des malformations qui vont toucher, se développer, qui peuvent atteindre les trois feuillets, donc entraîner des déformations graves. Après, à partir de la fin de la quatrième semaine, on va arriver dans la neurulation primaire, avec les troubles de la neurulation primaire qui sont bien connus. Lorsque le neuroport inférieur ne se ferme pas, on a un myéloméningocèle, ça tout le monde le connaît bien. On peut avoir aussi, lorsque le neuroport supérieur, une anencéphalie, bien sûr. Cette neurulation primaire est découpée aussi en dans la période de la disjonction, c'est-à-dire une fois que le tube neural s'est formé, mais soit il va y avoir un problème de disjonction très tôt, on appelle ça, ça va donner ce qu'on appelle les lipomes dorsaux de la moelle épinière, soit c'est une disjonction incomplète, et là on va avoir une continuité entre le neuroectoderme et le tube neural, et on va avoir les sinus dermiques, ou les LDM, donc les limited dorsal myelogenesis. Et puis enfin, une fois que la moelle est complète et terminée, fermée, on peut avoir un trouble de la neurulation secondaire. Là, c'est le moment où la masse caudale va venir se conglomérer contre la partie inférieure de la moelle épinière. Et à partir de ça va donner les racines en dessous de S2 et toute la queue de cheval. Et là, on va avoir des malformations un peu différentes, comme le lipome du phylum terminalé, qui est une forme la plus bénigne de dysraphisme, mais aussi les lipomes, qu'ils soient caudales, transitionnels ou chaotiques, et le myosocytal terminal. Vous voyez que le panorama est large dans ces malformations, et encore ça, c'est une classification assez didactique et que je trouve très intéressante parce qu'elle permet de bien classer les choses en fonction du moment embryonnaire. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, en fait, dans la réalité.
Et on va surtout parler de nos délipomes, donc qui sont soit disjonction primaire, soit de relation secondaire. Bien entendu, il ne faut pas imaginer que ces catégories de temps embryonnaires sont bien réparties dans le temps et bien séparées les unes des autres. Et en fait, ces catégories vont se s'entre-surmonter. Il va y avoir donc des malformations qui vont commencer dans la gastrulation et qui vont se finir dans nos relations secondaires. Par exemple, dans les diastématomélies, on peut avoir un trouble de la gastrulation, on peut avoir une petite perte de malformation, mais aussi on peut avoir un lipome du phylum terminalé. Il n'y a pas de raison qu'une malformation, enfin une anomalie embryonnaire qui commence très tôt ne se répercute pas sur tout l'embryon. Et bien sûr, c'est pour ça que j'adore cette phrase qui est dans l'article restant de Dominic Thompson, qui vient d'une phrase d'un biologiste anglais qui disait « It's not birth, marriage or death, but gastrulation, which is the three most important time in your life. » C'est Dominic Thompson qui a repris ça, ça vient de Lewis Wolper, qui était un biologiste anglais d'origine sud-africaine. Alors, ces lipomes, ces dysgraphismes, comment est-ce qu'on va les diagnostiquer? Mais il y a trois temps différents, trois manières différentes de rentrer dans le diagnostic. Il y a premièrement un diagnostic anténatal, ce qui est quand même maintenant de plus en plus évident, même si ce n'est pas encore le plus fréquent. Et c'est surtout sur l'échographie qu'on va faire en période néonatale. L'autre possibilité, c'est le diagnostic périnatal, c'est-à-dire après l'accouchement. Et là, en général, on va voir un stigmate cutané qui va attirer le regard au niveau de la jonction lombaire, de la jonction lombosacrée. Et on sait que 8 fois sur 10, les dysgraphismes, et surtout les lipomes, ont une stigmate cutané. Il peut y avoir autre chose, une imperforation anale, une anomalie du monde inférieur, et ainsi de suite. Et puis enfin, il peut y avoir des cas de diagnostic tardif. Et là, le diagnostic va se faire sur des complications qui sont en général urologiques, sexuelles, neurologiques et orthopédiques. On voit que le panel quand même de circonstances diagnostiques sont assez larges et très variés. Alors, en anténatal, c'est les échographies systématiques qui vont faire le diagnostic, parfois sur celles de convenance. Il y a des femmes qui font des échographies tous les mois, je vous rappelle. Et en fait, dans la littérature, on commence à en avoir à partir de la 16e semaine. Avant, c'est un peu difficile. Et ça va jusqu'à la 34e semaine. Alors, là, pour le gynécologue, la question, c'est savoir si c'est un dysgraphisme ouvert ou fermé, puisque le pronostic n'est pas du tout le même, vous le savez très bien. Si c'est un diagnostic ouvert, on entre dans le cadre nosologique des myéloméningocèles, avec un pronostic fonctionnel très, très grave. Et dans certains pays, comme la France, on a droit à demander une ITG, c'est-à-dire une interruption thérapeutique de grossesse. Donc, c'est quand même une question importante et c'est une responsabilité lourde qu'a le gynécologue à ce moment-là. Et alors, il faut qu'il regarde plusieurs choses. Premièrement, où se finit le cône et quel aspect a le cône et est-ce qu'il y a de la peau. Et parfois, c'est très difficile de faire la part des choses entre une malformation fermée ou ouverte. Et en fait, ce qu'on a appris grâce aux équipes qui font de la chirurgie anténatale, c'est que l'important est de bien examiner l'extrémité céphalique. Et en fait, vous savez comme moi que le myéloméningocèle n'est pas simplement qu'une pathologie de la moelle basse, c'est une malformation de l'ensemble du névrax qui peut toucher la jonction crânio-vertébrale, le cervelet, le cerveau et le cortex. Et donc, en explorant comme il faut ce bébé, on va regarder le crâne. Et s'il n'y a pas les signes indirects de myéloméningocèle, c'est-à-dire avec le crâne en citron, avec le cervelet en banane, qui vont dire qu'il va y avoir une microcéphalie, parfois une dilatation des ventricules, et surtout une perte de la grande citerne qui montre un carie 2. Mais dans ces cas-là, s'il n'y a pas ça, on a très peu de chances que ce soit un myéloméningocèle, et on a souvent, en général, une malformation fermée. Donc, l'extrémité supérieure est importante, le gynécologue doit le savoir, il faut prendre du temps, comme l'échographiste, prendre du temps pour bien regarder ce cerveau et éliminer les images et les signes qui vont montrer un myéloméningocèle. En périnatal, c'est en général plus simple, puisque dans 80% des cas, les enfants porteurs de lipomes du cône ou de la moelle ont un stigmate cutané. Et il y a un papier qui a été repris aussi par Thompson, qui était un papier de JIA, qui est plus ancien, qui a classé un peu ces stigmates cutanés en fonction du risque qui est associé d'avoir un sous-jacent, une malformation. Alors, en haut à gauche, vous voyez la classique hypertrichose. Ben celle-là, vous savez que quand vous avez ça, 9,9 fois sur 10, vous avez aussi une diastématomyélie. Ça, c'est vraiment un stigmate qui est assez pathognomonique. Et puis, vous avez les hémangiomes infantiles assez larges, une carte de géographie. Et ben ça aussi, c'est très forte suspicion de dysgraphisme.
Il y a l'aspect assez classique au milieu de méningocèle athrétique. Ça, c'est vraiment la forme du LDM. Et puis, on peut avoir des sinus dermiques, on va avoir des lipomes sous-cutanés. Et tout ce qui est appendage caudal, c'est-à-dire des petites queues qui apparaissent, un tire-bouchon, droite, comme vous voulez, tout ceci est aussi à forte présomption de dystraphisme. L'anomalie du sillon interfessier, lorsqu'elle est très latéralisée et associée à un lipome, est aussi un marqueur fort. Après, il y a des marqueurs beaucoup plus faibles. Et lorsque vous avez, par exemple, une pseudo-fossette un peu latéralisée, c'est rare. Quand vous avez le sillon interfessier qui est bifide en haut, il y a rarement grand-chose. Et pareil pour les fossettes très, très, très basses. En fait, moi, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, quand vous avez une fossette périnéale, si lorsque vous mettez le doigt sur la fossette, vous êtes sur la pointe du coccyx, il n'y a pas de souci à se faire, il n'y aura rien d'associé. Lorsque c'est plus haut, attention, méfiez-vous. Donc, les stigmates, c'est un très bon moyen d'en faire le diagnostic, et c'est maintenant quand même la grande majorité des cas sont diagnostiqués sur ces stigmates cutanés. Bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut faire un examen complet somatique, parce qu'on peut avoir des formes associées avec les curarinaux, des bactéries. Bon, il faut regarder les membres inférieurs, il faut regarder l'ombilique, il faut regarder les pieds, il faut regarder la marche anale. Et tout ceci, si c'est normal, on peut être rassuré. Ensuite, les diagnostics tardifs. Mais les tardifs, en fait, c'est les complications. Et là, à ce moment-là, ben, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est un diagnostic qui n'a pas été fait. Moi, j'ai souvenir, quand j'étais plus jeune, d'un petit garçon qui était né avec un appendice caudal, une toute petite queue en haut du sillon interfessier. Il avait un dermatologue qui avait mis un gros point, comme on faisait sur les doigts surnuméraires, un gros point à la base, il a serré très fort. Et puis lorsque c'est tombé, on n'en parlait plus. Et puis à 25 ans, il avait des douleurs de l'homme inférieur et des pieds beaux. Et en fait, il avait une moelle fixée basse sur les pommes du cône. Donc, soit c'est un diagnostic qui n'a pas été fait, soit c'est un patient qui a aussi refusé de se faire opérer, ça existe, hein, il y en a. Ou alors, c'est aussi, il y a 20% des patients qui n'ont pas de stigmate cutané. Et là, on peut parfois passer à côté et ne voir ces enfants-là que très tard. Alors, quels sont les signes qui amènent au diagnostic? Le premier signe le plus courant, c'est les douleurs lombaires et des membres inférieurs. Ce ne sont pas des douleurs radiculaires, ce sont des douleurs mal systématisées, assez diffuses, bilatérales, qui peuvent être mécaniques et inflammatoires à la fois. C'est assez particulier. Et ça s'associe avec des troubles un peu cutanés, avec une peau sèche, brillante. C'est très particulier, ce n'est pas du tout une sciatique. Bien sûr, il va y avoir des déficits moteurs des membres inférieurs, avec des déformations des pieds, avec l'apparition d'un syndrome pyramidal, des orteils qui vont se recroqueviller en griffes. Ça, c'est aussi assez caractéristique. Des troubles sensitifs, avec des gens qui vous disent « je ne sens plus mon périnée, ma verge, c'est bizarre, ou sur mes jambes, c'est comme du carton, j'ai des douleurs, ça me brûle. » Et puis, les troubles sanctériens, bien sûr, et de l'érection, qui sont assez importants et qui sont majeurs et qui viennent gâcher la vie de ces patients assez tôt. Enfin, plus tardivement, les déformations vont apparaître avec les déformations des hanches, des pieds, les orteils en griffes et puis aussi les scolioses. Donc, tout ceci entraîne quand même des signes assez flagrants, assez bruyants, qui vont entraîner des examens et des diagnostics. Alors, pourquoi ils se dégradent? Il y a plusieurs explications. Hein. La plus classique, c'est qu'on parle de traction sur la moelle qui est fixée. Et donc, ces tractions vont entraîner une hypoxie métabolique chronique au niveau de la moelle. C'est les travaux de Yamada en 81 qui avaient montré ça. Hein. Lorsqu'on tractait sur la moelle épinière d'un chat, il a mis des électrodes pour capter le métabolisme. Ils se sont rendus compte que dans la corde antérieure, il y avait un déficit énergétique. Ils pensaient que c'est ça qui entraînait la dégradation. C'est probablement vrai, mais ça n'impacte que ça. Parce qu'il y a aussi sûrement une compression, puisque ce lipome qui est dans le canal, il va évoluer comme vous évoluez vous. Et si le patient prend beaucoup de poids, il prend du gras, et bien le lipome va grossir avec lui. Il n'y a pas de raison que le gras aille se mettre ailleurs que sur le lipome et vous allez avoir un effet purement mécanique compressif sur votre moelle épinière. Et enfin, il y a un élément qui n'est pas toujours apporté, mais je pense qu'il faut en parler, c'est que cette moelle n'est pas normale, puisque embryologiquement, la phase de nourrisson secondaire s'est mal faite. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'une phase qui se fasse mal n'entraîne pas des problèmes fonctionnels au niveau du tissu nerveux. Et je pense qu'il y a sûrement une dysplasie médulaire assez importante qui peut entraîner soit des problèmes de base dès la naissance, soit un vieillissement précoce. Et c'est une moelle qui va évoluer plus vite que le reste du corps et qui va vieillir plus vite et entraîner des problèmes. Donc, il y a trois possibilités, l'attraction, la compression et la dysplasie. Et puis, il peut y avoir des dégradations aiguës sur des chutes, sur des accouchements,
sur des mises en position de l'autre ici pour les gens qui ont des colliques néphrétiques. C'est décrit dans la littérature et on a des dégradations aiguës dans ces circonstances-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme examen quand on suspecte un dysgraphisme avec un lipome? Eh bien, chez le petit, tout petit, bien sûr, c'est l'échographie médulaire. Alors, l'échographie médulaire, il faut l'utiliser très tôt et avant 3 mois. Pourquoi? Parce qu'avant 3 mois, elle est accessible, elle n'est pas irradiante, elle n'est pas chère, donc elle est facile à faire. Et l'ossification du sacrum et des lames du rachis lombaire qui est en décalé permet une fenêtre d'exploration assez efficace. Passé 3 mois, on n'y voit plus rien, c'est très difficile d'interpréter. Et le défaut de cet examen, c'est qu'il est très opérateur dépendant. Et si vous n'avez pas un opérateur qui est de bonne qualité, qui a l'expérience, il va vous voir des choses qui n'existent pas. Et c'est assez courant quand même sur les échographies médulaires faites un peu tardivement, qu'on trouve des kystes du phylum, qu'on trouve des lipomes et qui n'existent pas, et on doit faire des IRM pour rien. Donc attention, c'est un très bon examen, mais c'est un examen qui mérite d'être dans les mains d'un opérateur expérimenté. Voilà une échographie médulaire normale sur la gauche. Vous avez en haut, en A, c'est une coupe sagittale, et vous voyez que le cône médulaire est hypoéchogène, et il est surligné par 2 petits liserés hyperéchogènes qui sont lapimaires, et dessous, vous avez les racines. Sur la coupe B, vous voyez que le cône est toujours hypoéchogène, et au milieu, vous avez une hyperéchogénicité, ça c'est le canal ependimaire, qui reste hyperéchogène et qu'on voit très bien. Si vous regardez sur la coupe C en bas, et vous avez le cône médulaire avec au milieu un petit canal, c'est le canal ependimaire, et après les racines. Vous voyez qu'on y voit très très bien. Quand l'appareil est de bonne qualité, comme bon opérateur, on arrive à voir beaucoup de choses. Cet examen est très pratique, mais encore une fois, il doit être fait très tôt et par un opérateur entraîné. Voilà une échographie pas normale. Là, vous allez voir que le cône est refoulé en arrière. Vous le voyez. Encore une fois, vous voyez bien le canal ependimaire avec ces 2 petits hypersignaux. Hyperéchogénicité, et puis vous avez en bas cette masse ronde hyperéchogène qui est le lipome du cône médulaire, un lipome dit transitionnel. Vous voyez qu'on le voit très bien en sagittal, on le voit très bien en axial, et on voit l'interface entre le cône qui est hypodense et le lipome qui lui est hyperéchogène. Voilà notre cas, vous avez le bébé à gauche avec son lipome dans le dos, et vous avez toujours pareil cette moelle hypoéchogène avec son hypersignal au milieu qui est le canal ependimaire. Et puis l'hyperéchogénicité du lipome sous-cutané qui passe à travers les lames et qui va sur la peau, sur celui-là. C'est exactement l'image de l'avant que vous avez à gauche. Et puis, si l'échographiste est très bon, avec un bon matériel, avec un enfant qui est très jeune, on peut voir aussi des sinus dermiques. Vous voyez que là, vous avez la fistule qui est bien visible en haut du sillon interfécier. Et on peut voir que sur l'échographie, on peut suivre ce sillon du début à la fin. Et encore une fois, je vous fais remarquer au milieu sur la coupe D en bas à droite, l'hyperéchogénicité du canal centromédulaire. Donc l'échographie est un très bon examen de dépistage chez le tout petit. Passé 2 mois et demi, 3 mois, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Voilà une diastématomélie, encore des très belles images. On peut comparer à gauche l'échographie, à droite l'IRM. Vous voyez qu'on y voit quand même très bien. Et on fait le diagnostic assez facilement sur cette échographie. L'IRM, bien sûr, alors l'IRM, c'est de loin l'examen fondamental. Hein. Sans IRM, c'est compliqué de porter un diagnostic, surtout de bien le codifier. Alors, l'IRM en pédiatrie, vous savez comme moi que le problème, c'est sa durée et la longueur des acquisitions. Et ça nécessite donc une anesthésie générale, surtout chez les enfants, après 3-4 mois de vie, parce qu'on ne fait pas l'IRM très tôt, parce que je trouve qu'entre 0 et 4 mois, les images ne sont pas de très bonne qualité. On préfère les faire un peu plus tard pour avoir des très belles images et pas avoir à les refaire. Donc, passé 3 mois, il n'est plus moyen de maillotonner l'enfant sur la table de l'IRM, de l'attacher avec des bandes. Donc, il faut l'endormir. Et c'est une vraie difficulté, mais il faut en passer par là. De base, il faut au minimum un sagittal T1, T2 et un axial T1, T2 et un coronal. Ça permettra de bien voir la position du cône, de voir la situation du lipome, quel type de lipome vous avez à traiter. Et quelle est son interface avec le cône médulaire. Plein d'autres séquences ont été rapportées, le DTI, le CIS, le 3DT1. Toutes ces séquences sont intéressantes, elles permettent tous de mieux affiner votre diagnostic, mais je pense que vraiment un T1, T2, un sagittal et un axial T1, T2, c'est déjà largement suffisant pour évaluer les choses. Il a été décrit récemment un T2 Est, qui est une séquence courte pour permettre de faire des acquisitions en 15 à 20 secondes,
qui a un intérêt en pédiatrie, mais qui montre surtout tout ce qui est liquidien et qui va montrer s'il y a une syringomélie au-dessus de la malformation qui pourrait expliquer une souffrance médulaire. C'est un intérêt, mais c'est assez limité dans la prise en charge. Donc, cette IRM permet de bien voir le siège du cône médulaire. Est-ce qu'il est bas, est-ce qu'il n'est pas bas? C'est important pour le pronostic. Plus il va être bas, plus on sait qu'il va tracter, plus il y a un risque de dégradation. Surtout, il va nous montrer le cône. Il va nous montrer ce cône-là, et c'est l'intérêt des coupes axiales, c'est de voir comment est l'interface entre le lipome et le cône. Est-ce qu'il est dans un plan coronal? Est-ce qu'il est en rotation? Donc, très souvent, vous verrez sur les images que le cône, en fait, il n'est pas purement collé à plat dans un plan coronal. Il est souvent un peu shifté ou drifté, il est un peu en rotation, anti-horaire ou horaire, et ça, c'est important pour la chirurgie. Voilà, je vous montre deux images de deux enfants différents, pourtant on dirait les mêmes, mais voilà un T2 à gauche et un T1 à droite, et vous voyez qu'on voit ce lipome qui est collé à la partie inférieure du cône médulaire, c'est ces deux vrais lipomes transitionnels qui paraissent assez identiques, mais si on regarde les coupes axiales, vous allez voir que celui de gauche, le plan, l'interface entre le lipome en hypersignal et la moelle qui est en hyposignal est presque horizontale, on va dire, alors que si vous prenez celle de droite, vous voyez que le plan est quasiment sagittal, et pour la chirurgie, c'est important de le savoir, parce qu'il ne faudra pas se tromper de dissection, il ne faudra pas rentrer dans la moelle épinière, et ça, c'est un très bon moyen de savoir comment vous allez aborder votre lipome et comment est-ce qu'il a tourné sur son axe. Donc ça, ce sont des séquences qu'il faut avoir. Voilà, j'ai deux mêmes séquences avec des T1 où on voit mieux l'interface. Et vraiment, vous voyez que autant le sagittal pouvait faire croire à la même chose, autant chirurgicalement, il est plus facile d'opérer celui de gauche que celui de droite. Après, il y a le bilan aérodynamique, puisque ce sont des lésions qui sont centrées le plus souvent sur le cône médulaire. Et ce qui veut dire cône médulaire dit contrôle sphinctérien. Et donc, le bilan aérodynamique va être important, qui va permettre de mesurer la pression intravésicale, la pression intra-abdominale, et puis on permet de voir comment se remplit la vessie. Donc, ce sont des arguments importants pour essayer de garder en place une fonction vésicale et urinaire, surtout fonctionnelle. Et bien sûr, le but étant toujours de garder des reins en situation physiologique normale. Donc, lorsqu'on fait le but, on va remplir la vessie progressivement, puis on va avoir la phase de remplissage, la phase prémictionnelle quand la vessie est complètement pleine, et après la phase de miction. Et là, on va pouvoir regarder tout ce qui se passe. Quelle est la capacité de la vessie, la pression de la vessie, est-ce qu'elle est compliante, est-ce qu'elle est stable? Et surtout, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que le détrusor et le sphincter marchent de manière agoniste et adaptée, ou est-ce qu'ils se contractent en même temps, ce qui ne serait pas normal. Après, il faut que le détrusor se contracte quand le sphincter inférieur se relâche, et inversement. Autrement, on va avoir une vessie de lutte, et c'est ce qu'on appelle la dyssynergie vésico-sphinctérienne. Alors là, on va étudier les facteurs de risque aérodynamique, c'est les régimes de haute pression vésicale. La haute pression dans la vessie, c'est un vrai argument pour dire qu'attention, cet enfant est en danger, parce que la haute pression va faire qu'il va y avoir du reflux vésico-urétéral, puis une hydronéphrose, puis des infections en répétition, puis une insuffisance rénale, et ainsi de suite. Donc tout ça doit être pris en charge. On va regarder si la vessie est compliante ou pas, c'est important, si elle se laisse facilement distendre ou pas. Si elle est compliante, c'est plus facile, il y aura moins de pression dans la vessie, donc c'est le meilleur pronostic. Est-ce qu'il y a un seuil de fuite élevé, ce qui veut dire qu'elle résiste longtemps, longtemps, longtemps avant que ça fuit? Dans ces cas-là, ça ne fuit pas vers le bas, ça fuit vers le haut, et donc ça va remonter dans les urtères. Et puis, bien sûr, cette dyssynergie vésico-sphinctérienne qui est un vrai problème à traiter et qu'il va falloir prendre en charge le plus tôt possible. La limite importante pour l'évaluation pédiatrique du bilan aérodynamique, c'est l'absence de continence. Je savais qu'avant 3 ans, les enfants sont rarement propres, et tant qu'ils ne sont pas propres, ces bilans sont d'interprétation difficile et souvent discutable et discuté. Toutefois, je pense vraiment qu'il faut les faire, ça permet d'avoir au moins des valeurs de référence et de suivre dans le temps ce qui se passe. Ce n'est pas un examen très, très invasif et très, très, très difficile à faire, on peut le répéter, et ça permet vraiment de protéger la fonction urinaire. Donc, c'est très reproductible, ça permet vraiment un suivi de l'enfant. Bien sûr, on y associe toujours une échographie rénale, puisqu'on va aller regarder comment est l'autre appareil. Est-ce que les reins sont normaux? Est-ce qu'il y a une bonne différenciation corticale? Est-ce qu'il est dilaté? Et puis, en cas de doute, on fera des tests fonctionnels avec des scintigraphies pour voir si le rein fonctionne normalement. Alors, c'est la prise en charge, mais pendant très longtemps, c'était la chirurgie à tous les coups. C'était une chirurgie qui se faisait
pas très codifié, hein, parce que la première série des 73K par Anderson, où ils ne parlent pas trop de la technique, ils disent qu'ils les ont opérés, ils disent que ça a rendu service aux patients, mais ils n'expliquent pas trop comment ils ont opéré. Et puis après, on commence à avoir des séries un peu plus récentes, en 76, où là, eh bien, ils expliquent qu'il faut les opérer, mais qu'il y a le choix entre la biopsie ou la résection subtotale pour améliorer ces patients. Donc, il n'y avait pas de véritable démarche claire, mais c'était le début, on venait de le découvrir. Et les choses ont été comme ça quasiment jusqu'au début des années, à la fin des années 90. Dans cette première période, mais le but de la chirurgie, c'était de décomprimer la moelle épinière. On a dit qu'il y a cet aspect de masse qui vient comprimer la moelle dans le canal. Et bien, on ouvrait le canal, on enlevait du lipome pour décomprimer. On a libéré ce lipome de ses attaches durales, bien sûr. Et surtout, on cherchait à ne pas trop s'approcher du tissu nerveux, parce qu'on avait peur de l'abîmer. Et à la fin, il fallait surtout très bien refermer la dure mère. Moi, c'est ce que j'ai appris au début, quand j'ai commencé, c'était encore comme ça. Et il y a un papier de Pang où il explique son internat et ses débuts de sa carrière. Il dit que lorsqu'il a été formé au lipome, on lui disait « Always skim off the top of the lipoma, never get near the spinal cord, or you will paralyze the patient. And close the dura primarily as much as you can. » En gros, il fallait décomprimer, fermer très vite et si possible, pas avoir la moelle épinière. Ça a été ça jusque dans les années 2000. En fait, ça a basculé, cette prise en charge a basculé après un papier qui est très important, c'est le papier de Necker, qui est sorti en 2004, c'est ça, par Kulkarni et Michel Zira. Et là, ils ont montré que leur série historique de lipome du cône opéré, lorsqu'il est comparé à une série sur 10 ans de lipome asymptomatique non opéré, les non opérés allaient mieux que les opérés. En gros, quand on les opérait, on les aggravait. Donc, à partir de là, ils se sont dit, écoutez, il n'y a pas de solution, il ne faut opérer que les symptomatiques, et tout ce qui est asymptomatique, on n'y touche pas, de peur de les aggraver, ce qui peut paraître logique. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont dit, non, il faut faire une chirurgie prophylactique ubiquitaire dans le but de mettre tout le monde à l'abri de cette dégradation, parce que quand même, dans ce papier, on s'est rendu compte, et ça, on l'avait déjà un petit moment, que la dégradation, elle est minimum de 43 à 45% à 10 ans, avec un suivi moyen de 4 ans et demi, ce qui est court. Donc, le risque de dégradation, il est quasiment de 1 sur 2 à 10 ans, avec un volume moyen de 4 ans et demi. Donc, c'est quand même pas mal. Et du coup, la période moderne maintenant, c'est une chirurgie un peu ubiquitaire. Alors, est-ce qu'il y a une place pour la chirurgie prophylactique dans les lipomes? C'est une question qui fait rage en France, je dis encore, parce qu'en France et au Canada, ailleurs, je pense que tout le monde est d'accord. Mais qu'est-ce que la prophylaxie? La prophylaxie, c'est un processus actif ou passif qui a pour but de prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation d'une maladie. Bon, là, on est en plein dedans. Et qu'est-ce que la chirurgie prophylactique? Ça, c'est un concept d'oncologie. En fait, les oncologues, quand ils ont progressé sur les pro-oncogènes et sur les facteurs génétiques, ils se sont rendus compte qu'il y a des facteurs qui étaient très importants, qui amenaient quasiment tout le temps au cancer d'organes. Ils ont dit, il faut peut-être faire une chirurgie au préalable. C'est l'exemple du sein, hein. Les gens qui ont des facteurs de risque du sein avec des gènes qui ont des facteurs du sein, on les opère, on fait une mastectomie bilatérale à l'avance pour éviter le cancer. C'est ça la chirurgie prophylactique initialement, mais ça doit être basé sur des données scientifiques. Alors, pour pouvoir répondre à ça, il faut savoir quelle histoire naturelle des lipomes, et puis est-ce que la chirurgie va changer cette histoire naturelle, cette évolution naturelle. Alors, l'histoire naturelle, elle est toujours discutée, mais il y a quand même pas mal d'arguments dans la littérature sur l'expérience des uns et des autres. Ce qu'on sait, c'est que les dysgraphismes et surtout les lipomes du cône sont des pathologies évolutives. Le patient ne reste pas toute sa vie dans le même état neurologique, ça c'est entièrement juste. C'est une détérioration qui va être lente et progressive, mais il y a aussi des dégradations aiguës qui sont possibles, on l'a dit tout à l'heure, AVP, accouchement, lithotripsie et autres. La récupération, elle n'est jamais à l'intégrum, et encore elle est vraiment très, très faible. L'évolution est différente en fonction du type de dysgraphisme. C'est sûr qu'un lipome du filum terminalé, il va se dégrader moins vite et moins fort qu'un lipome du cône, et encore, si le cône est très bas, il faut faire attention. Et les lipomes transitionnels et les chaotiques sont de loin les plus à risque et les plus dangereux en termes de pronostic, mais aussi en termes de chirurgie. Donc, on sait que l'évolution, elle n'est pas favorable. Et lorsqu'on regarde les papiers anciens, il y a celui de Hoffman en 85 qui avait montré que lui, dans sa série, il y avait 85% de détérioration à 5 ans lorsqu'il n'était pas traité.
C'est énorme, 85%. C'est le seul qui a retrouvé ça. Keating, en 88, c'est une équipe d'urologie, ont montré qu'en travers de deux groupes d'enfants, des petits et des plus grands, c'est-à-dire les petits, c'est moins de 3 ans et plus de 8 ans, en fait, il y avait 26% d'incontinence urinaire au moment de la chirurgie chez les petits et 92% chez les grands. Il a dit, donc on voit, quand on attend trop longtemps, ils se dégradent quasiment tous, 92%, donc il faut les opérer. Il a dit aussi que lorsqu'on les opérait tôt, ils allaient mieux et récupéraient un peu plus. Ce qui paraît logique, moins la maladie est grave, mieux on va récupérer. Le papier de Kulkarni, qu'on a cité tout à l'heure, qui a montré celui-là, donc cette équipe pareille-là, l'équipe de Necker, que les lipomes asymptomatiques ont risque de détérioration à 10 ans de 43%, avec un follow-up moyen de 4,4 ans. Wicks a montré en 2012 à peu près la même chose, hein, une détérioration aux alentours de 40% si non opéré. Donc c'est quasiment 1 sur 2. Et ça, c'est encore le papier de Yamada qui explique que comment ça se dégrade, en fait, par des troubles du métabolisme énergétique. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur l'évolution, enfin, sur l'histoire naturelle de ces dysraphismes qui vont, dans la majorité des cas, se dégrader. Et en fait, c'est souvent une question de délire. Ce n'est pas 100%, c'est vrai, mais je pense qu'on est plus près de 60-70% à 20-30 ans que 40%. Alors, OK, on a dit un mot de l'évolution. Quel est l'intérêt? Est-ce que la libération médulaire modifie cette évolution? Et là, c'est sûr que si on suit le papier de Necker, on dit non, ça ne sert à rien de s'opérer puisqu'on les dégrade. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. En fait, lorsque Pang, qui est quand même un de ceux qui a plus publié là-dessus et qui en a opéré le plus, a fait à peu près le même bilan que les Parisiens à peu près aux mêmes années, il s'est rendu compte que les personnes qu'il avait opérées quand il était jeune, en suivant la méthodologie qu'on lui avait apprise, ils se dégradaient quasiment tous, à 70%, 80%. Il s'est dit que ce n'est pas normal. Il a regardé ces malades, ils se dégradent tous, et le taux de dégradation élevé est souvent lié à une refixation. Premier élément. Deuxièmement, cette fixation, elle paraît basée sur 3 facteurs. Le contact étroit post-opératoire entre la moelle et la dure mère, alors le canal n'a pas bougé, lui, donc il y a toujours du contact. Une large zone de graisse résiduelle, c'est-à-dire on n'a pas tout retiré, il en reste. Et puis cette déconnexion incomplète entre la plaquette neurale et le tissu graisseux. C'est-à-dire la plaquette neurale est toujours en contact avec la graisse est toujours en contact avec la dure mère, elle se recolle. Et ça ne fait plus qu'un. À partir de là, il a dit que si on faisait une déconnexion ou une résection totale de ce lipome, et qu'on pouvait refermer la moelle épinière, en agrandissant le cul-de-sac dural, on devrait diminuer le risque de refixation et entraîner une meilleure évolution. C'est ce qu'il va mettre en place pendant des années. Et il va dire qu'il faut maintenant, quand on opère le lipome, faire une exérèse le plus complète possible, reconstruire la placode à la fin quand on le peut, et faire, si possible, une plastique durale d'élargissement pour pouvoir donner de la place à ce cône médulaire qui soit plus au contact de la dure mère en permanence. Donc, la large exposition durale, voilà ce que ça donne sur les papiers de Pang. Hein. Il faut faire vraiment une ouverture large. Il faut bien voir le sommet du lipome. Il faut déconnecter complètement le lipome de la dure mère adjacente, tout le tour. Hein. On va tout déconnecter au ciseau, ça, c'est pas compliqué. Et puis après, bien sûr, il faut repérer les racines. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent la moelle est un peu en rotation sur son axe. Et donc, il faut voir si les racines droite et gauche postérieures sont au même niveau dans le canal ou si elles sont décalées vers le haut ou vers le bas. Ça veut dire que la moelle est twistée. Et puis, il faudra réséquer ce lipome en suivant son plan blanc, qui est une interface fibreuse entre le tissu médulaire et le lipome. Et ce plan blanc, vous le voyez sur ces photos ici, mais vous le verrez alors sur un film. En gros, voici le schéma de son travail, et c'est là-dessus qu'il va travailler, et c'est comme ça qu'il va opérer ses patients. À la fin, il va reconstruire la placode. Et vous voyez que la placode a été refermée, vous voyez les petits fils dessus, les petits fils bleus, c'est du problème. Et puis, bien sûr, il faut faire une plastique d'élargissement. Alors ça, c'est un vrai problème. Là, c'est une plastique en Gore-Tex. Le Gore-Tex, ce n'est pas un bon produit pour faire ça. Nous, on s'en est longtemps servi du Gore-Tex, parce qu'on a dit que c'était bien. En fait, le Gore-Tex, ça vieillit très mal. Ça devient tout dur, ça colle. Quand vous devez les réopérer, c'est horreur, tellement ça colle au tissu nerveux. Il s'est quasiment habité dans le muscle, dans la dure mère et dans la moelle. C'est horrible pour les réopérer. Alors lui, il se sert du péricarde de bœuf, qui est un produit magique. Moi, je m'en suis servi une seule fois quand j'étais à l'étranger. Et c'est vrai qu'on dirait de la dure mère, c'est assez facile de le suturer, on fait des belles plasties, mais en France, on n'a pas le droit. Moi, je suis toujours à la recherche du meilleur produit.
Alors, je cherche un peu avec, je prends de la peau névrose que je retourne et du tacosyl et du ragène. Je cherche à faire le mieux possible pour pas que ça fuit. Mais c'est difficile d'avoir une qualité de fermeture aussi bien que ce qu'il a lui, parce que nous, on n'a pas ce péricarde de bœuf du fait des problèmes de la vache folle, et c'est interdit en France. Et bien sûr, l'élément clé, et c'est la pierre angulaire de cette prise en charge, il faut opérer ces patients sous monitoring neurophysiologique systématique. On a opéré longtemps, nous, sans le monitoring. Maintenant que ça fait 5 ans qu'on les opère avec monitoring, c'est plus tout la même chose. La chirurgie est beaucoup plus aisée et surtout, on fait des exercices beaucoup plus larges et beaucoup plus physiologiques. Donc ça, le monitorage, avec les potentiels évoqués somesthésiques et la simulation des racines, on arrive à avoir de belles résections en étant très rassuré tout le long. On n'arrive pas, nous, à mettre encore les potentiels évoqués moteurs parce qu'on opère des petits. Et ma neurophysiologiste ne veut pas mettre des électrodes qu'on vise dans le scalp là, de potentiel évoqué moteur au niveau du vertex, parce qu'elle a peur que ça diffuse, que ça ne soit pas bon. Mais j'avoue, je sais qu'il y a une équipe en France qui le fait et ça marche. Et je pense qu'à l'avenir, on va le faire. Et si on peut faire les potentiels évoqués sensitifs plus les moteurs, on sera encore plus rassuré. Mais vraiment, travailler avec une neurophysiologiste qui vous aide et qui vous guide pendant la déconnexion, c'est très, très agréable. Voilà un film pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà ce lipome. À gauche, c'est le pré-op, à droite, c'est le post-op. Et on va donc. Moi, je me sers d'un ciseau courbe en général. Là, je n'en avais pas ce jour-là, donc j'ai pris un droit. Après, voilà, je reprends un courbe. Alors, je suis droitier, donc j'aime bien partir de haut en bas. Donc, c'est une des rares fois où je me mets à droite du patient, ce qui me permet d'avoir mon ciseau courbe qui est posé avec la convexité sur la moelle épinière. Et on va disséquer ce lipome au ras de la moelle dans le plan blanc. Alors, c'est assez facile de trouver le plan blanc. Enfin, c'est pas facile, c'est difficile au début. Vous voyez, ce plan blanc, on le voit bien apparaître. Là. Mais en fait, quand vous êtes dans le plan blanc, ça ne saigne pas. Dès que vous sortez du plan blanc, que vous remontez, le gras est très vascularisé, ça va saigner. Donc, dès que vous saignez, hop, attention, je ne suis plus dans le bon plan. Et vous voyez, j'ai repéré mes racines sensitives postérieures, droite et gauche, et cette moelle était fixée un peu, était un peu en rotation, dans le sens anti-horaire, avec les racines gauches plus superficielles que les droites. Et donc, il faut attention, quand on va disséquer, il faudra suivre à peu près un plan comme ça, un peu oblique. Voilà comment on dissèque ces lipomes. Il faut très doucement, de proche en proche, sous microscope. Et la partie basse est, à mon sens, toujours la plus difficile. Après, on regarde un peu si on arrive à la mobiliser. Et rien que pour la neurulation, le fait d'avoir les potentiels évoqués sur l'anesthésique permet de voir qu'on ne force pas et qu'on ne referme pas une moelle sous pression ou sous tension. Parce que là, autrement, on réveille, on va avoir des soucis, il va falloir réintervenir. Donc voilà un peu cette déconnexion, c'est un premier cas. On arrive jusqu'en bas. Une fois qu'on a tout réséqué, on est content. Ça prend entre 5 et 6 heures quand même. Hein. Voilà un autre cas. Un autre lipome par pareil du cône, qui est pareil, lui. Vous voyez que les racines gauches sont superficielles, les droites sont en profondeur. Mais c'est pareil, il va falloir tout négocier, retrouver ce plan blanc à ras de la dorsale route en trisone. Là, hein. C'est ça qu'on appelle la ligne de fusion. Il faut découper là-dedans et après chercher à retrouver le plan et ne pas entrer dans le cordon médulaire. D'où l'intérêt d'avoir des ciseaux pointus, un peu courts, moi j'aime bien, et aller petit à petit. Là, vous voyez, je rentre dans les pommes, ça saigne. Donc c'est toujours comme ça. Donc il faut essayer de coaguler le moins possible et surtout à faible intensité pour ne pas diffuser. Et puis voilà la stimulation, quand on ne sait pas trop, on stimule parce que c'est pas de réponse. Est-ce qu'il y a des racines ou pas? Non, il n'y a pas de racines. Est-ce qu'il y a du tissu nerveux? Non. Est-ce que ça change le potentiel? Non. Donc si c'est comme ça, on peut couper. Après avoir coagulé. Et petit à petit, on va réséquer tout ce lipome. Là, j'en ai laissé un petit peu, vous voyez ici, hein, sur la partie droite. Et puis à la fin, ben, on prend du 5 ou du 6-0 et on va refermer cette moelle épinière de manière à faire une neurulation. Et donc, pour éviter que le lipome résiduel soit en contact avec la dure mère. Voilà, une fois que c'est fait, il vaut mieux faire des points inversés. Là, je n'ai pas fait un point inversé, ce n'est pas très malin. Donc voilà un peu l'aspect à la fin. Vous avez une moelle qui est quasiment complètement refermée dans son canal, et qui est à distance du lipome résiduel qui est dans la queue de cheval. Voilà, c'était deux cas de lipome. Et bien sûr, lorsqu'on referme cette moelle, si on a le potentiel évoqué, c'est très agréable, parce que s'il n'y a pas de changement, on est tranquille, l'enfant va bien se réveiller. Mais si vous refermez la moelle épinière avec un peu trop de lipome à l'intérieur, vous allez mettre sous tension et vous allez avoir des problèmes. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Eh bien, dans l'étude de Pang, qui est sorti en 2010, 93% des patients asymptomatiques, c'est énorme 93%, sont restés stables à 16 ans de la chirurgie.
C'est quand même assez énorme, c'est un très bon résultat. Il a analysé un peu sa série en cherchant un peu à comprendre quels étaient les facteurs qui expliquaient ça. Il a regardé un peu le sexe, l'âge, le type de lipome, entre les dorsales traditionnelles et les chaotiques, la présence ou pas de symptômes avant, l'antécédent de chirurgie, c'est un très, très bon facteur, et surtout, un truc important, le cortex ratio. C'est-à-dire, il calcule le rapport entre la largeur de la moelle par rapport à la largeur du cul-de-sac dural qui a été reconstruit. Et en analyse univariée, le sexe et le lipome ne sortent pas. Par contre, le jeune âge, le caractère asymptomatique, l'absence de chirurgie avant et le ratio moelle-sac bas sont en faveur d'une période sans problème plus longue. En analyse multivariée, en fait, il n'y a plus que le cortex ratio qui sort. Et en fait, plus le ratio entre la moelle et le cul-de-sac dural est faible, et mieux les patients vont aller. Donc, c'est vraiment cette cavité d'épanchement qu'il fait à la fin qui est importante. Et donc, dans les lésions basses, il faut essayer on ne remet pas les lames. Il a rajouté aussi quelques patients avec des lipomes dits chaotiques ou des reprises chirurgicales, ceux qui sont de loin les plus durs. Et là, il perd un peu en qualité de survie, de PFS, puisque la PFS reste à 88% à 20 ans, ce qui est quand même pas mal. Dans sa série ancienne, où il faisait des résections partielles, il était à 34% hein, à 10 ans. Et lorsqu'on prend les patients qui n'ont jamais été opérés, eh bien, on a 90% de patients qui vont bien. Donc, c'est quand même assez énorme. Et là, dans cette analyse encore, le seul truc qui sort, c'est le ratio moelle-sac qui est important. Et plus ce ratio moelle-sac est bas, et mieux le patient va se porter. Voilà en image, qu'est-ce que ça donne. À gauche, vous avez un ratio inférieur à 30%. Et vous voyez que le cône médulaire nage dans un bain de LCR. Il n'est pas au contact de la dure mère et tout va bien. Au milieu, c'est un ratio entre 30 et 50%. Et à droite, supérieur à 50%. Et là, on voit que sur le devenir à long terme sans événement, eh bien, lorsque le cortex ratio est à moins de 30%, on est à 89% quasiment de patients stables à 20 ans, ce qui est somme toute un très très bon résultat. Là-dedans, il y a quand même pas mal de patients qui avaient déjà été opérés ailleurs et donc qui ont été repris, ce qui donne encore plus de valeur à ces résultats. Donc là, il en fait pareil avec sa série de chaotiques. Et donc, sur 203 patients, il a pu résecter complètement l'hypome que dans 60% des cas. Dans 36% des cas, c'est 20%. Il y en a 8% un peu plus de 20%, de 20 mm3. Mais malgré tout ça, les complications sont rares. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait les trois choses, c'est-à-dire qu'on déconnecte le maximum de l'hypome, qu'on referme la moelle et qu'on refait un cul-de-sac assez large, et bien on arrive à avoir des suites opératoires qui sont bonnes et on améliore le devenir de l'enfant. Les complications sont assez rares, des fuites de LCR, des infections locales. C'est assez classique lorsqu'on fait ces patients. Souvent, la dure mère est un petit peu abîmée, elle est fine, elle est dysplasique. Et quand on la suture, des fois, ça fuit un peu et ça peut s'infecter. Nous, chez nous, notre série qu'on avait publiée en 2016, c'était avant qu'on ait le monitorage systématique. Et on a quand même des infections opératoires, on en a 1,5%, on a des fuites à 4%. Et on a eu deux aggravations neurologiques. Et en fait, le follow-up moyen à 10 ans, il y a 10% de secondes de chirurgie. Et c'est moins bon que Pang. Et c'est parce que nous, à l'époque, on ne les monitorait pas. Et lorsqu'on regarde les IRM de nos patients maintenant et ce qu'on faisait à l'époque, ça a complètement changé. Et maintenant qu'on monitore depuis 5 ans, depuis la fin de cette étude, les résultats sont bien meilleurs. Et on verra dans les sens ce que ça donne. Alors, la récupération, ce n'est pas terrible. Il y a des articles qui ramènent 10% de récupération. Il y a beaucoup de papiers quand même qui disent que la récupération chez les petits, au niveau sphinctérien, il n'y a quasiment rien. On stabilise les choses, mais on ne récupère pas. Nous, dans notre série, il y a eu un peu d'amélioration, mais c'était surtout sur le caractère douloureux. C'est vrai que la chirurgie améliore les douleurs, ça c'est vrai, même aussi dans les refixations. Mais tout ce qui s'est dégradé a beaucoup de mal à récupérer. Et donc, lorsqu'on voit un adulte qui a des douleurs, qui ne va pas bien, il faut lui dire que si on l'opère, c'est pour qu'il ait plus mal. Et ça, c'est vrai que ça marche sur les douleurs. Mais par contre, ces troubles de l'érection, ces troubles sphinctériens, ils vont s'arrêter de se dégrader, mais il ne va pas récupérer. La refixation est un vrai problème. Hein. Il y a beaucoup de papiers qui en parlent. Et en fait, pour se décider sur une refixation,
il faut plutôt il faut avoir une vision un peu globale du patient, et c'est pas que l'IRM, parce que l'IRM peut montrer des choses qui n'existent pas. Il faut vraiment avoir une convergence entre la clinique, la paraclinique et les bilans, le bilan aérodynamique. Et si vous avez une clinique de neurologique qui apparaît alors qu'elle n'était pas avant, avec une IRM qui monte une voie qui semble fixée et un bilan aérodynamique qui se dégrade, c'est une amplification, il faut l'opérer. Il y a un papier des Italiens qui montrait que lorsqu'on ne sait pas, on peut essayer de faire une IRM en décubitus ventral. Et si vous avez un cul-de-sac un peu large, vous allez voir si le cône médulaire en fait, bouge dans la cavité entre le dorsal et le ventral. S'il bouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de refixation. Ça peut aider. Pas toujours facile. C'est bien chez l'adulte, chez l'enfant, c'est un peu compliqué à faire. Mais ça peut aider le diagnostic. Mais bien sûr, c'est l'ensemble des données cliniques et paracliniques qui vont vous donner le diagnostic et rien d'autre. Donc, je vais conclure sur ce lipome pour dire que la philosophie de la chirurgie des lipomes du cône médulaire a changé depuis le début des années 2000. Le debulking partiel n'a plus de raison d'être, il y en a même délétère. Donc, si on doit les opérer, il faut les opérer pour tout retirer, sinon il ne faut pas y aller. Ça, maintenant, on le sait. Hein. Ou on cherche à retirer tout le lipome, neurrer la moelle et faire un gros cul-de-sac, ou alors il ne faut pas y aller, il vaut mieux le laisser évoluer tout seul. Pour opérer ces enfants, il faut avoir un accès à un monitorage préopératoire systématique. Ça, je crois que c'est vraiment important. Il faut tisser des liens avec les neurophysiologistes. Il faut avoir des objectifs stricts, thérapeutiques et techniques, qui sont la résection complète, la neurulation et le recul-de-sac. Bien sûr, il faut comprendre cette moelle et donc il faut le bon bilan d'imagerie avant pour savoir où est-ce qu'elle s'arrête, quel est le type de lipome, est-ce qu'il y a une rotation sur son axe et où est la ligne médiane. Ça, ce sont les éléments clés pour pouvoir les opérer. Et bien sûr, cette prise en charge ne se fait pas seule dans son coin. On ne peut prendre de manière décemment en charge des lipomes du cône médulaire que lorsqu'on travaille en équipe avec neurochirurgiens, neurophysiologistes, urologues, kinés et médecins de réadaptation fonctionnelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et encore merci. Merci Didier pour cette belle présentation. Qui est riche. Merci pour donc nous avoir permis de t'écouter, de ton expertise en matière. Je sais que tu as beaucoup d'expertise dans ce domaine. Donc je voulais juste savoir au niveau monitorage, est-ce que tu as le complet, est-ce que tu as aussi le réflexe anal ou pas encore? Alors, le réflexe, tu parles du réflexe bulbo-caverneux? Bulbo-caverneux, excusez-moi. Alors, bulbo-caverneux, on a un projet de recherche en cours parce que ce n'est pas décrit chez le tout petit, c'est décrit chez l'adulte. Ça, on sait que chez l'adulte, pour la chirurgie urologique, c'est très important. Chez les grands enfants, ça a été décrit. Mais nous, on opère surtout des petits, contrairement à Pan que par des plus grands. Alors, on est en train de le mettre en évidence. Alors, c'est un problème technique, en fait. Parce qu'il faut mettre des électrodes de part et d'autre des corps caverneux ou du clitoris. Chez le garçon, on y arrive, parce qu'on a des électrodes qu'on peut mettre, qui sont circulaires, qu'on met sur la verge à deux niveaux différents, et on arrive à stimuler et à récupérer le réflexe au niveau du sphincter anal externe. Chez la fille, on a encore un petit problème d'électrode. On n'a pas encore trouvé la bonne électrode qui permet de mettre, il faut mettre autour du clitoris. Et chez la fille, t'imagines la taille que ça a. On ne veut pas mettre l'électrode de piquer parce qu'on a peur de la faire saigner. Donc, on est encore en train de chercher la bonne électrode. C'est moins facile de la voir que chez le garçon. Le garçon, on y arrive maintenant quasiment à chaque fois. Chez la fille, c'est encore en cours. Et on va voir dans quelques temps si ça sert à quelque chose ou pas. D'accord. Tu as un neurophysiologiste avec toi, d'après ce que j'ai compris? Oui, tout le temps. Ouais, c'est une très grande chance. Nous, on a commencé... Ça a été long à la voir. Ça a été long pour avoir une neurophysiologiste, mais maintenant on l'a. Et donc, on opère ça que le mardi, parce que c'est le jour où elle peut se libérer. Et tous les mardis, elle est avec nous et elle nous permet de faire ça. Malheureusement, nous, on avait une équipe de neurophysiologistes qui était là il y a 25 ans, pendant 3 ans, de 25 ans. Et malheureusement, l'équipe est partie. Depuis, on n'a pas de neurophysiologiste. C'est une barrière rare. Hein, ouais, tout à fait. Je voulais aussi poser une question sur donc le dernier papier de Thompson.
Ouais, Thompson, ouais. De Thompson. Au niveau de cette classification, j'allais parler de la classification, puis après, donc, il y avait les phrases par la suite qui a dit any classification of lipomas based on biology remains conjectural at present. Yeah. Tout à fait. Donc ça veut dire, donc, j'allais poser des questions, mais finalement, même si c'est celui de 2020 qui paraît, c'est un mix entre la classification de Morota et Chapman. Oui, Morota est très bien. Hein, comment ? Je trouve que Morota, sa classification est très bien. Oui, tout à fait. Aussi, j'ai une remarque par rapport au lipome. En fait, il y a lipome et lipome. Mmh. Il y a le lipome de rétro de dorsal qui va être assez, c'est-à-dire dès l'ouverture de la petite membrane qui entoure ce lipome, ça sort, on l'aspire, il vient, etc. Et d'autres lipomes qui sont blanchâtres, jaunâtres, durs, etc. C'est pas la même chirurgie. Tout à fait. Et je pense dans les présentations, on n'a pas cette distinction, c'est-à-dire des descriptions de la nature. Parce qu'on parle beaucoup en fait des lipomes du cône transitionnel, et ceux-là, ils sont quasiment presque toujours des jaunes pleins de vaisseaux et pas très fibreux, sauf la partie très proximale. En fait, dès qu'on arrive, on approche du plan blanc, il y a une partie fibreuse. Ouais. Par contre, lorsqu'on opère des adultes, on peut avoir ces lipomes qui sortent comme en boule. En général, ce sont plutôt des lipomes dorsaux. Et ceux-là, ils ne sont pas très compliqués. Il suffit vraiment de se mettre dessous, de couper à ras, on s'en sort bien. C'est vrai que le grain n'est pas le même. Et le grain en pédiatrie, il est plus mou et plus hémorragique. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions, Adrien, Uriel? Je jette un coup d'œil sur le groupe, mais non, je ne pense pas. Pas d'autres questions, a priori. Est-ce que quelqu'un a des questions? Nous avons un commentaire de Luna Suniga dans le YouTube. C'est bonne journée, docteur. Belle présentation. Merci. Et docteur Jamila dit merci, professeur Escabarda, pour cette excellente présentation, mais selon votre expérience, les résultats post-chirurgicaux sont meilleurs dans les lipomes asymptomatiques que ceux qui se détériorisent secondairement? Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. En fait, les lipomes symptomatiques, quand on les opère, il faut avoir comme objectif d'arrêter la dégradation. Il ne faut pas se dire qu'on va changer les choses, qu'on va faire marche arrière. Ça arrive, mais c'est exceptionnel. Donc, si on part d'un enfant qui va très bien et qui est très bien opéré, comme ceux de Pang, et qui 20 ans après sont très bien, c'est sûr qu'il vaut mieux opérer des asymptomatiques que des symptomatiques. Le problème, c'est que les symptomatiques, si on ne fait rien, ils vont se dégrader très vite. Donc, il faut les opérer aussi. C'est pour ça que maintenant, je pense qu'on est plutôt dans une versante d'une chirurgie ubiquitaire, c'est-à-dire pour tout le monde, en sachant qu'on ne garde pas les mêmes objectifs fonctionnels. En thérapeutique, c'est la même chose. Il faut faire la même chose, il faut réséquer tout le lipome, il faut refermer la moelle et faire une grosse poche d'expansion. Mais c'est sûr qu'ils vont un peu moins bien, ceux qui sont déficitaires par rapport aux autres. Pour revenir à ce sujet-là, je pense qu'il faudra un consensus, parce que par rapport aux patients, et la famille, c'est-à-dire quand ils voient un neurochirurgien, il dit il faut opérer d'autres, un autre qu'il faut pas opérer, etc. C'est vrai qu'ils savent plus quoi faire et alors moi, à quel sens se vouer. Moi, je leur donne les deux options. Je leur dis voilà, il y a deux courants, surtout en France, parce que aux États-Unis, il y a un seul courant. Hein. Vous pouvez soit on l'opère et après il faut le suivre quand même. Soit parce qu'on sait qu'il y a un risque de dégradation à 45% à 7-8 ans, soit on surveille, mais on fera une surveillance un peu plus rapprochée, un peu plus agressive, parce qu'il ne faut pas, parce qu'on le surveille, le laisser se dégrader pour l'opérer. Donc, ce qui veut dire qu'il faut le voir tous les 6 mois à 1 an pour faire des bilans urodynamiques un peu plus fréquents, et ainsi de suite. Après, les parents ont le choix.
Et je leur dis bien que ce qui va arriver comme dégradation ne va quasiment jamais récupérer. Et après, ils choisissent. Mais je ne veux pas leur dire autre chose que ça. D'accord. Après, le rythme avant 3 ans, c'est tous les 6 mois, en gros. Il faut le suivre entre 6 mois et 1 an, il faut le voir régulièrement. Ouais, régulièrement. Et le bilan aérodynamique, au minimum, un par an, au minimum. Bien sûr. Moi, je l'ai fait systématiquement parce qu'on a l'équipe du Nord qui sont habitués, avec qui je fais les curarino, et qui sont habitués à faire les bilans aérodynamiques. Ça se passe bien et c'est vraiment c'est un confort. D'ailleurs, par rapport à nous et par rapport à la famille, on a des éléments de... Ah, c'est bien, hein? Oui. De surveillance. De dire ça va ou ça ne va pas, ça se dégrade, attention le rein, il faut y penser. Et peut-être même mettre en route des hétérosondages réguliers, enfin, il faut faire attention. Parce que parfois, il y a la dégradation qui survient de façon rapide. Oui, ça arrive. Hein. Juste 1 mois ou 2 mois après la consultation de 6 mois, la mère dit il y a un problème. Et il faut écouter les parents. Ah oui, ils ont toujours raison. Je pense que c'est très important, ça. En pédiatrie, les parents ont quasiment toujours raison. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions, John? Docteur, nous avons les autres commentaires dans les YouTube aussi, de Dr. Bendif. Et merci pour cette excellente présentation. Et merci beaucoup, c'est extraordinaire. Écoute, on a un collègue à nous qui est d'Afghanistan. Docteur Ahmad. Oui, voilà, s'il peut intervenir. Docteur Ahmad, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. How are you? Fine, thank you. Thank you for nice presentation, Professor Escarvagavuta. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Ariel, could you please explain to Dr. Ahmad about the lounge if he wants to come, please? Okay. Et nous invitons les participants à notre Zoom lounge. C'est une réunion privée qui ne sera pas enregistrée, afin de rencontrer l'orateur, le docteur Didier. Alors, il commencera à finir cette lecture et nous n'avons pas de questions. OK. Merci beaucoup. OK. And please tell the people to copy the link because I'm going to end this Zoom. So please copy that link, OK? Where is the link? The link is in the chat. I'll put it again. Yeah, so it's a good point. Ariel, can you post yes, that? I just posted it. Ariel just posted it. Yes, okay. Everyone see it? Okay, yes. Please copy that, Omar. And after I finish this, we go into that. Okay. I'm okay, see you there. You there. Thank you.